Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Ce sont là des paroles qui peuvent paraître sectaires pour quelques-uns. Il y a des gens qui ont l'esprit très large et qui disent « Après tout, il suffit d'être sincère, toutes les religions se valent. » Mais il y a un problème fondamental dans la race humaine, le problème du mal. Ce que la Bible appelle communément le péché. La Bible nous dit que l'homme est atteint d'une maladie mortelle. Cette maladie, c'est comme je l'ai dit, le péché. Qu'est-ce que le péché? Bien, le péché, c'est cette racine qu'il y a dans notre cœur, au fond de nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à nous en débarrasser, que ce soit par l'éducation, la morale, la religion, la philosophie, et les progrès de la science ne peuvent rien y faire. Nous avons réalisé des progrès considérables dans le domaine de la médecine, nous sommes beaucoup plus instruits, nous avons fait d'innombrables progrès techniques, et pourtant, le cœur de l'homme est resté fondamentalement le même. En dépit des théories de l'évolution, aussi loin que nous puissions remonter en arrière, nous voyons que l'homme est resté le même en ce qui concerne ses problèmes spirituels. Intérieurement, incontestablement, il est malade. La solitude, la peur de la mort, la haine, l'orgueil, les guerres qui se répandent un peu partout dans le monde en témoignent tous les jours. Il suffit d'ouvrir notre journal quotidien pour voir que quelque chose ne va pas dans la race humaine. Quelque chose est foncièrement déréglé. La Bible appelle cela le mal, le péché. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé parfait. Mais il a donné à l'homme un libre arbitre, la faculté de choisir. Dieu n'a pas voulu communier avec des robots, mais avec des créatures libres de l'aimer. Si Dieu avait fait l'homme comme une machine, l'homme ne serait pas libre. Dieu voulait que l'homme puisse décider lui-même ce qu'il voulait faire. Et c'est pour cela qu'il a mis un arbre dans le jardin d'Éden, pour mettre la liberté de l'homme à l'épreuve. Et Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. L'homme a préféré écouter la voix du diable plutôt que la voix de Dieu. Les conséquences, nous les voyons aujourd'hui. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand la Bible parle de la mort, elle parle de trois sortes de morts. Premièrement, la mort physique, nous la connaissons tous. On n'a pas besoin de s'y étendre davantage. Deuxièmement, il y a la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Quand Jésus-Christ était sur terre, il a dit à quelqu'un, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » L'apôtre Paul dit aux chrétiens, « Vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Et plusieurs passages dans la Bible nous montrent que les personnes qui ne se sont pas tournées vers Jésus-Christ pour recevoir une vie nouvelle sont mortes par rapport à Dieu. L'absence de Dieu, c'est la mort spirituelle. Et troisièmement, il y a la mort éternelle, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous connaissez peut-être la mort spirituelle. C'est-à-dire que Dieu n'habite pas dans votre cœur. Vous avez peut-être une religion. Vous allez à l'église, vous avez peut-être été baptisé, confirmé, vous avez fait des rites religieux peut-être compliqués pour certains, mais au fond de votre cœur, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de certitude, vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il dit cela? Pour que quelqu'un dise, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ou bien cet homme est un malade mental, ou bien il dit la vérité. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux, il a fait des miracles extraordinaires. Et des centaines de personnes, des milliers de personnes l'ont suivi. Depuis que Jésus-Christ est venu dans le monde, des milliers de personnes ont eu leur vie transformée par son Saint-Esprit. Il peut en être de même pour vous aujourd'hui, si vous le recevez dans votre cœur. Mais qu'est-ce que cela va m'apporter, me demandez-vous? Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors qu'est-ce que la foi?
J'entends des gens qui disent « Mais je crois en l'existence de Dieu, je sais que Dieu existe. Je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. » La Bible dit « Le diable croit et il tremble. » Cette sorte de foi-là ne suffit pas. Il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu. Il ne suffit pas de croire en l'existence d'un remède pour être guéri d'une maladie. Il faut prendre le remède. Il faut accepter Jésus dans son cœur pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir être sauvé pour l'éternité, pour pouvoir échapper à la mort éternelle, à la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Il faut recevoir le Fils de Dieu dans votre vie d'une manière définitive. Vous pouvez être religieux et pourtant ne pas avoir fait cette expérience. Jésus-Christ a dit à Nicodème, l'un des hommes les plus religieux de son temps, il lui a dit, Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Que veut dire naître de nouveau? Nous sommes nés dans le péché, dans le mal. Nous sommes esclaves du péché. Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos défauts tout seuls. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide, qui nous en donne la force. La Bible nous explique que lorsque Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur, il nous donne la force de vivre une vie nouvelle. Nous devenons un enfant de Dieu le jour où le Saint-Esprit vient habiter définitivement dans notre vie, dans notre esprit, dans notre cœur. Appelez-le comme vous voudrez, mais il faut qu'il vienne habiter en vous. Il faut qu'il prenne possession de votre vie tout entière. Et le jour où vous le laissez entrer en vous, avec un cœur repentant, en disant à Dieu, j'ai péché, je regrette mes péchés, et je veux que ma vie soit changée. Je veux conformer ma vie aux exigences divines, à ce que la Bible enseigne. Ce jour-là, Jésus entre dans votre cœur et il change votre vie. La Bible dit qu'à ce moment-là, vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous devenez un enfant de Dieu. La Bible dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons tous l'enfer. Je mérite l'enfer, je suis un pécheur. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu vous offre la vie. Pourquoi? Beaucoup de gens pensent qu'on peut mériter le ciel en faisant des bonnes œuvres. Et une idée qui est répandue, c'est que si les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, on pourra être sauvé. C'est une erreur. La Bible dit que l'homme ne peut pas donner à Dieu le prix de son rachat. Ailleurs, nous lisons, ce n'est point par les œuvres que l'homme est sauvé, mais par la foi, par la grâce de Dieu. Si l'homme avait pu mériter le ciel, Jésus-Christ ne serait jamais venu. Si Jésus-Christ est venu, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour l'homme d'être sauvé. Ce n'est qu'en faisant une expérience personnelle avec Jésus-Christ que vous entrerez dans le royaume de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus-Christ a dit, tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ailleurs, Jésus nous dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Des milliers de personnes dans le monde ont cru et ont été sauvées. Certes, si l'on regarde notre société, que ce soit en France ou dans le monde entier, si l'on fait des sondages, on verra que la majorité n'a pas fait cette expérience. Certes, des gens religieux, il y en a. Mais la religion en elle-même ne suffit pas. Jésus a dit qu'il fallait nettoyer l'intérieur avant de nettoyer l'extérieur. Il y avait du temps de Jésus-Christ des gens religieux. On les appelait les Sadducéens, les Hérodiens, et parmi eux, il y avait aussi les Pharisiens et d'autres encore. Mais Jésus a dit des Pharisiens ceci. C'était pourtant des gens qui étaient zélés pour leur religion. Il leur a dit, malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. Il leur a dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est plein de rapines et d'intempérance. Hypocrites, nettoyez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne propre. L'homme ne peut pas changer si Jésus-Christ n'intervient pas dans son cœur. Vous avez peut-être une religion, mais cette religion ne vous a pas apporté de certitude. Vous n'avez pas la paix dans votre cœur et vous aimeriez savoir que vous allez au ciel. La Bible dit que le sacrifice de Jésus-Christ est tout suffisant pour nous apporter le salut, la certitude de la vie éternelle. Vous me dites, comment puis-je être certain d'aller au ciel? Je n'en serai jamais sûr. Chers amis, écoutez-moi. Si vous basez votre salut sur vos efforts personnels, sur vos mérites personnels, vous ne serez jamais certain d'être sauvé.
vous aurez toujours un doute dans votre esprit. Mais la Bible dit qu'on ne mérite pas le ciel. Le plus grand des pécheurs peut savoir qu'il est sauvé pour l'éternité s'il reçoit Jésus-Christ dans son cœur. C'est cela l'amour de Dieu. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour vous, il a pris vos péchés sur la croix, il a pris votre culpabilité et il a souffert à votre place. Il a satisfait aux exigences de Dieu, à la sainteté et à la justice de Dieu. Mais la Bible dit que si on refuse ce salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Et ce qui attend les incrédules, en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ, c'est l'attente d'un feu éternel, un jugement qui s'abattra sur eux. La Bible dit, ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Ils souffriront cruellement dans une flamme qui ne s'éteint pas. Il y a de nombreux passages dans la Bible qui parlent d'un endroit de perdition que la Bible appelle la Géhenne. On l'appelle communément l'enfer. Quoi qu'il en soit, c'est un lieu de tourment où Dieu n'est pas. C'est l'absence de la vie, l'absence de paix, du bonheur, de sérénité, la souffrance éternelle. Jésus-Christ est venu dans le monde pour vous épargner cette souffrance. Mais il y a un prix à payer. Quel est ce prix? La Bible dit, c'est vrai, le salut est gratuit, à condition que l'homme accepte la guérison que Dieu veut lui apporter. À condition que l'homme accepte de se repentir de son passé. L'apôtre Pierre a dit aux gens de son temps, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voulez-vous vous repentir? Si vous le faites sincèrement, si vous acceptez Jésus dans votre cœur afin de vivre une vie nouvelle, il changera votre cœur, il mettra en vous son Saint-Esprit et fera de vous son enfant. Alors vous aurez l'assurance bénie que lorsque vous quitterez ce monde, votre esprit ira dans la présence de Dieu et vous vivrez éternellement avec lui. De plus, la Bible nous fait une promesse merveilleuse, que tous les morts ressusciteront et ceux qui auront accepté Jésus comme sauveur dans leur vie, iront rejoindre un corps glorieux et pendant l'éternité, ils seront heureux avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec les millions et certainement les milliards de croyants. Mais bien plus nombreux, malheureusement, seront ceux qui seront perdus. Car même si cela n'est pas la volonté de Dieu, la majorité refuse le salut qui leur est offert en Jésus-Christ. L'attrait du péché est pour eux beaucoup plus grand que l'attrait de la justice que Dieu veut mettre dans leur cœur. Dieu frappe à la porte de votre cœur, Jésus frappe, et il dit « Voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Pourquoi ne recevriez-vous pas Jésus maintenant dans votre cœur? Dites-lui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais je t'accepte comme sauveur, je me repens, je regrette mes péchés, et je veux que ma vie soit changée. Viens, habite dans mon cœur maintenant, et fais de moi ton enfant pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. » Quelquefois, je me souviens, j'avais prêché dans la rue, j'avais ma fille dans un couffin, puis j'allais et je prenais ma guitare et je chantais « Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer, Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Jésus est mon capitaine, je suis matelot du Seigneur, il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. » Voilà, et puis je continuais comme ça, j'avais plusieurs chants et puis je distribuais des traités. Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Jésus est mon capitaine, je suis matelot du Seigneur. Il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Quand soudain surgit l'orage, la tentation de douter, alors je reprends courage et je me mets
à chanter. Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Même si dans les nuages le bruit du tonnerre m'effraie, la voix de Jésus m'encourage et me redonne sa paix. Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Un jour sur l'autre rivage, nous allons tous accoster. Mais beaucoup feront naufrage pour n'avoir pas décidé. Que Dieu guide leur barque, les empêche de sombrer. Que Dieu prenne la barre et les conduise en paix. Jésus guide la barque de ceux qui ont décidé d'aller sur l'autre rivage avec lui pour l'éternité. S'aimer malgré les souffrances éternelles, s'aimer malgré la torture et l'ennui, s'aimer malgré la violence et la haine, s'aimer dans la froideur de la nuit, s'aimer sans jamais oublier l'autre, s'aimer par le cœur et la pensée, s'aimer même à l'autre bout du monde, s'aimer malgré le poids des années. Que l'on soit pauvre, s'aimer malgré le poids du passé, s'aimer sans jamais perdre courage, s'aimer meurtri par l'adversité, s'aimer dans la pluie et les orages. Sur le manège de la vie. La vie s'en va, la vie s'en vient, lui il repart et il revient sur le manège de la vie. Tous les matins faut se lever, tous les midis il faut manger, tous les soirs faut se coucher. Toute la journée faut travailler, le monde entier le voit tourner sur le manège de la vie. Il y a des larmes, il y a des pleurs sur le manège des mauvais jours. Il y a des cris et des douleurs, il y a des drames et des malheurs sur le manège des mauvais jours.
fonctionne mieux quand il est deux, et il est bien plus heureux sur le manège des amoureux. Où il découvre des ciels bleus et des millions de gens heureux sur le manège des amoureux. Il est bien sur le manège de son amour. La vie s'en va, la vie s'en vient, et pour toujours il sera bien sur le manège de son amour. Voilà ma mère qui est encore dans son lit, qui se repose. Je lui ai donné un chocolat chaud avec du miel tout à l'heure. Et elle s'ennuie de moi, elle m'a dit. Donc voilà, je viens la voir. Et je vais lui faire dire quelques mots. J'espère que je vais arriver à la faire parler, à lui faire dire des choses sensées, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors maman, comment vas-tu ? Comment je vais ? Oui. Je vais bien maintenant depuis que tu es revenu là. Avec moi. D'accord. Voilà ma mère qui vient de faire 90 ans il n'y a pas longtemps, le 17 septembre. Et maman, t'as fait 90 ans. Yeah. Et alors, t'es contente? Oui, je suis contente que je te vois. Alors. D'accord. Alors, je vais aller lui reposer quelques questions. Je ne sais pas si elle va me répondre intelligemment, parce que des fois, ça dépend des moments, quoi. Hein. Alors, Maman, bonjour. Bonjour, mon bébé. Ah, voilà. Est-ce, tu vas bien? Je peux faire... Ah, non. Non. tu m'as bien fait manger. Non, elle a cru que je lui demandais si elle voulait manger. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit non. C'est pas ça que je te demande, maman. Est-ce que tu vas bien? Ah, oui. Parce que moi, je n'avais pas bien compris. Ah, voilà. Parce que de loin, c'est ça. Parce que quand il s'agit de manger, des fois, c'est assez dur et il y a des moments où il faut un peu la forcer. Autrement, elle ne mangerait pas, elle ne boirait pas. Donc, on était obligé de forcer un peu. Mais là, elle a bien mangé quand même, mais sans rien dire. Ça allait? C'était bon, le manger? Ah, c'était parfait. Ah, ben, c'était très bien, voilà. Alors, quelquefois, quand elle m'appelle dans la chambre, elle me dit « Bene mecher et naqueste trao ». C'est du patois, ça veut dire « Viens me chercher dans ce trou ». Ça, c'est la phrase quand elle veut qu'on s'occupe d'elle. Voilà. Alors là, quand elle ferme les yeux comme ça, c'est parce qu'elle travaille avec ses doigts. Vous voyez, elle fait de la... On appelle ça en psychiatrie du tricotage. Elle n'arrête pas de travailler avec ses doigts, elle fait des choses. Vous voyez, voilà. Alors, oui, elle appelle ça travailler. Qu'est-ce que tu fais là, maman ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais là, maintenant ? Pardon. Oui, pardon. Ce que je fais ? Oui. Eh bien... ce que j'ai l'habitude de faire, de ce que je fais d'habitude. Et c'est quoi ce que tu fais d'habitude? Eh bien, je nettoie bien mes doigts pour que mes clients soient bien contents. Pour que les clients soient bien contents. Voilà. Voilà, bon, ben ouais, j'avais dit que des fois c'est cohérent, des fois ça l'est pas. Voilà, c'est un petit problème qu'elle a au cerveau. Et c'est pour ça qu'on doit s'en occuper 24 heures sur 24 pour tout lui faire. Allez, maintenant, on va passer à autre chose. À tout à l'heure. D'accord. En te remerciant beaucoup d'avoir pensé à toutes ces choses qui ne sont pas moroses. Mais ma mère a fait des vers. C'est-à-dire quand elle était... Quand elle, il y a quelques années, elle a composé des chansons et des poèmes. Et ça ressort. Alors, de temps en temps, elle fait rimer les phrases. Elle fait de la poésie. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, maman, je vais te poser des questions. Oui. Alors, quel âge as-tu? J'ai 15 ans et j'en ai un peu plus. Hein. J'ai un peu plus de 15 ans et demi. Non,
tu dis, non, non, c'est pas, t'as pas 15 ans et demi, non. Dans la tête, oui, mais en vrai, tu as 90 ans. Ah, maintenant, oui. Ah, j'avais compris, là, depuis l'année dernière. Bon, comme ça, ben, vous rendez compte un peu, hein, comment c'est. Voilà. Donc, là, ben, depuis l'année dernière, elle avait 15 ans, maintenant, elle en a 90. C'est oui. ça? Oui, oui. Voilà, c'était ça. 90. Bon, eh bien, écoute, la première dame que je rencontre, comme ça, qui en a un an, passe de 15 ans à 90 ans. C'est pas croyable. Hein? Voilà. Je ne l'avais pas vu, je ne croyais pas. Ah non, s'il n'avait pas vu, je ne croyais pas, c'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est pas croyable. Ouais, voilà. Bon, et je vais te poser une autre question. Hein? Oui, si tu veux. Quand est-ce que tu es né? Le 17 septembre 1925. Non, 21. 21, pardon. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Bon, allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors là, je suis assis dans le fauteuil en face de ma mère. Chose que je fais, disons, fréquemment. De temps en temps, je viens là, je m'assois, et elle aime bien me voir en face. Voilà, et alors là, elle est partie, de nouveau, elle ferme les yeux, elle se concentre, et puis, elle tricote avec ses mains. Voilà. Vous voyez, elle fait... Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle tricote, voilà, elle trouve quelque chose dans sa tête, et elle le sort, et elle tricote avec ses mains. Voilà. C'est pour ça qu'on lui donne des morceaux de papier à couper. Une fois, on était chez quelqu'un, un ami aux États-Unis. Ils avaient des livres à côté, ou ils lui avaient donné un livre, je ne me souviens plus très bien. Elle a pris ce livre, elle a commencé à le déchirer. Voilà. Alors, il ne faut jamais mettre des livres à côté d'elle, parce qu'elle a l'habitude de déchirer des brochures, des livres, des vieux livres, elle les déchire, et puis elle les met en mille morceaux. Alors, on lui a donné du papier, parce qu'avant, on achetait des pelotes de laine, et ça revenait assez cher. Parce qu'elle les défaisait complètement, c'était, je ne sais pas comment dire, vous savez, c'est un peu comme de la laine, elle faisait, après c'était plus des fils de laine, quoi. C'était comme la laine de mouton. Et on était, comme elle crachait dedans, on le mettait à la poubelle après. Voilà. Maman? Bien. Tu vas bien? Oh, on peut passer, là. Bon, dis-moi quelque chose. Passez tout. Dis-moi quelque chose. Je te dis que tout va bien. Tu dis ce que tu veux. Ce que je veux, oui. Ce que tu veux faire toi, c'est ce que tu rapportes à l'émail. Ce que tu rapportes à l'émail, c'est des per tout d'un. À quoi l'espace per un jour, à quoi per tout d'un. Maman? Bien. Chante-moi quelque chose. Gloire à mon sauveur, gloire, il est dans mon cœur. Aujourd'hui j'avance avec assurance et le cœur joyeux. Every eye shall see, every ear shall hear the sound of angels when he come. Every knee shall bow, every tongue shall confess that he is Lord when he come. And he'll plant his beautiful feet upon this mountain, and the dead of all the ages who believed on him will rise. And I'll be one in a first resurrection when he come. Everyone there will know that it's him, really him, the one and only, when he come,
glorified and transformed. I'll arise at his call, I'll be ready when he come, when he come. And he'll plant his beautiful feet upon this mountain, and the dead of all the ages who believed on him will rise. And I'll be one in a first resurrection. When he come, when he come, when he come. La Bible dit que Jésus-Christ, Yeshua, va revenir un jour. Serez-vous prêts ce jour-là? Un jour. Un jour. Vous vous trouverez face à face avec Dieu. Un jour, vous vous trouverez face à face avec l'éternité. Un jour, vous passerez dans un monde que vous ne connaissez pas. Un monde éternel. Un jour, vous vous apercevrez que tout ce que vous avez pensé au sujet de Dieu n'était pas vrai. Je parle bien sûr à ceux qui ne croient pas en lui, ou à ceux qui refusent d'observer ses commandements, à ceux qui refusent de croire en lui et de le suivre. Un jour, vous réaliserez votre erreur et vous pleurerez amèrement sur tout ce que vous avez fait. Autant que tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, j'en ai pas besoin. Je suis heureux comme ça. Je veux profiter de la vie. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Large est la porte, a dit Jésus, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Sur quel chemin êtes-vous? Sur le chemin large qui mène à la perdition, là où la majorité des gens va? Ou sur le chemin étroit, avec Jésus-Christ, Yeshua, le Fils de Dieu? Si vous n'êtes pas sur ce chemin étroit, vous êtes perdu pour l'éternité. Des millions de vies dans le monde ont été transformées par Yeshua, le Fils de Dieu, par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté et qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est formidable. Dieu est extraordinaire. Dieu peut faire des miracles pour vous. Dieu peut changer votre vie. Il peut vous donner son bonheur, sa paix, sa joie, sa vie éternelle. Pourquoi ne croyez-vous pas en lui? La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions, dit l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers Yeshua, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Dites-lui, Seigneur Jésus, Yeshua, je crois en toi. Je veux que tu viennes en moi et que tu changes ma vie. La Bible dit, crois au Seigneur Yeshua, Jésus, et tu seras sauvé. À tous ceux qui ont reçu Jésus, dit la Bible, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, dit l'apôtre Paul. Vous pouvez réussir ce que vous pensez, vous avez pensé ne jamais réussir. Vous pouvez faire ce que vous avez pensé ne pas pouvoir faire, ne jamais pouvoir faire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu fera de vous une nouvelle femme, un nouvel homme, un nouveau jeune homme, une nouvelle jeune fille. La vie aura un sens. Vous saurez pourquoi vous vivez.
Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avez-vous la paix du cœur? Êtes-vous sûr d'aller au ciel? Dieu peut vous donner cette assurance, cette certitude. Il a dit au brigand qui était sur la croix à côté de lui, et qui s'était repenti. Le brigand s'est tourné vers Jésus, il lui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a dit cette parole extraordinaire, merveilleuse. Il lui a dit, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute l'âme confessera que Yeshua le Seigneur. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement, car pour moi Jésus a versé son sang, et je suis sauvé maintenant.